Salut YouTube, salut Twitch qui est là aussi, hein. Hey, Twitch qui est là, qui se fait plaisir. Regarde, 600 millions de viewers, c'est fou. Et tu sais pourquoi il y a autant de gens? Parce que tu es actuellement sur la meilleure vidéo YouTube. Tu es actuellement sur la meilleure vidéo Paper Mario ever. En France, en tout cas. En Amérique, je dis pas, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, en France, le niveau Paper Mario est éclaté de toute façon. Donc, voilà. Non, je rigole, c'est une blague. Nous sommes toujours sur Paper Mario 1000 portes. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est une version retraduite et retraduite de Paper Mario. À la base, c'était un concept américain de Fat Guy. Fat Guy qu'on embrasse. Merci pour ce putain de concept incroyable. Et merci à la personne qui a retraduit ensuite en français pour qu'on ait ce live extraordinaire. Cette personne qui ne veut pas, qui ne souhaite pas que son pseudo soit connu ou quoi. Donc c'est tout à son honneur, déjà. C'est tout à son honneur. Des gros bisous. Et merci encore pour tout ça. Et donc là, on continue. Si tu as raté la première partie, va la voir. Parce qu'elle est légendaire. Et surtout que... il y a un lore qui s'installe au fur et à mesure des parties. Donc, par exemple, Goumé est une grosse chenasse. Une grosse chenasse et cervelée. Donc, totalement l'inverse de ce qu'elle était avant. Mais je vous rappelle que là, on est dans une deuxième timeline, hein, Paper Mario. Ce n'est pas le renouveau de l'aventure, c'est la... comment dire, c'est la continuation, je sais pas. Mais clairement, il se passe un truc. Beaucoup de choses se passent. C'est trop bien. La première partie, roche mes chaussettes. C'est vrai. C'est vrai que ça roche mes chaussettes. Ah, le badge multijoueur. Ah, c'est pas multibon, c'est multijoueur. C'est un badge pour jouer avec tous ses amis. Pour soutenir le jeu parfait, aller à l'un des championnats. Quoi? Ça n'a plus aucun sens. C'est d'accord. Je vais aller à un championnat tout de suite. Ça ne veut rien dire. Va falloir aussi m'expliquer un truc, hein, vraiment. Genre... c'est dire quoi, sa odeur? Elle a une odeur, Goumélie? Goombel Goomba est une fille. Il est aujourd'hui archéologue. Bah, faut savoir, il ou elle. Découvrez où vous êtes et où tes chemins sont au combat. Salutations, montez! Très bien. Très très bien. En tout cas, apparemment, elle n'a pas d'odeur pour le moment, Goomélie. Hein. D'après ses statistiques. Et Mario niveau 2. Mario là. Sensationnel. Mario là, on sait pas quoi, mais il là. Merci, soir d'Alex pour Twitch Prime. Des gros bisous! Exécuter. Ah, je vais exécuter. Très bien. R, parler, regarder, arme, nom, suivant, utilisez votre partenaire. Ah, ça c'est... ah, là, il y a une traduction qui veut dire quelque chose. Et sinon, pourquoi? Les points, pourquoi? Vous voyez ces points, pourquoi? On ne sait pas pourquoi ils sont là. C'est fou. Devise, c'est une devise. Ils n'ont pas traduit la devise. Des pièces étoiles, ça va. Des Sun Spirit, ils sont bas les couilles. Et la Fun House, on s'éclate. Il est 1h57 et on s'éclate, c'est le fun. Yes. Eh ben écoutez, quel plaisir. Bon, allez, let's go. Toujours dans l'esprit du plaisir. Ah, toujours. Merci, Elrogi. Merci pour les 5 mois, les 2 mois de sub, pardon. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Merci beaucoup, des gros bisous. Alors, comment il s'appelle, hein? Rebondir normalement. J'avais jamais vu que ça s'appelait comme ça. Rebondir normalement. Très bien, bah, je vais rebondir normalement. Lisse. Bah ils sont... Franchement, ils sont pas très lisses, hein. Un truc qui fait comme ça, là, c'est pas lisse, hein, frère. Vraiment, les traductions, non, elles se foutent vraiment de notre gueule, hein. C'est terrible, hein. Le random, plus ce jeu traduit, ça serait parfait. Bah, le random, oui et non, je sais pas. J'aime pas les trucs de random, de base. Attends, je te traduis au prochain tour, comme ça, toi, t'es mort. Voilà. Oh là là, quel plaisir. Allez, nique-toi. En plus, c'est un véritable plaisir parce que moi, je redécouvre le jeu en haute définition. C'est-à-dire que moi, quand j'y ai joué sur ma Wii complètement pété avec des graphismes dégueulasses. Hein. En témoigneront les VOD, hein. C'était vraiment pas beau. Là, je le redécouvre. Je le redécouvre en très joli et... qu'est-ce que je suis heureux. Alors, est-ce qu'il est vraiment si lisse que ça? On va voir s'il est lisse, hein. Pas brut. Quel super homme, hein. Boire du café. Oui, boire du café, on va boire du café si tu veux. C'est vrai que t'as besoin d'avoir un petit peu plus de... hein, de peps là. Hein. Les PV max sont le 3, l'attaque de 1 et la défense est 0. Suce pour elle. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est une grosse chaudasse. N'est-ce pas le pire? C'est le pire. Je veux dire, n'est-ce pas très ressemble brut? En tout cas, protégez-les en appuyant sur la touche moment quand ils sortent. Le temps est déjà assez difficile pour gérer le travail.
Ça, c'est... Voilà, enfin quelque chose de sensé, Goumeli. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, le temps est déjà assez difficile pour gérer le travail. On va pas non plus se faire chier. Bon. Marteau unique. Mais comment ça se fait que j'ai jamais vu ça avant? Et... Zori. C'est vraiment génial. C'est l'incarnation de la perfection en ce mode. C'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux dans cette vie. Tac. Oh là là, quel plaisir. Ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Je peux pas me faire tous les monstres tout le temps à l'infini. Hein. Là, je suis pas là pour XP ma race. Hein. Ajout de lumière du jour. Le rock est une bonne raison de bronzer. Je ne savais pas, j'avoue, je suis pas fan de rock. Mais je savais pas que les rockers aimaient bien bronzer comme ça. Bah écoutez, faites-vous plaisir. Hein. Moment, comment ça, moment? Y'a moment? Ah non, d'accord, c'est une référence à moment qui renverse son café, d'accord. Le rock est une bonne raison de bronzer. Bah écoutez, voilà, sachez que si vous voulez bronzer, écoutez du rock. Quel plaisir. C'est vrai que The Rock niveau bronzage est au petit. Ah, The Rock, oui. Cette bataille est inévitable, non? Tiens, on va utiliser notre multijoueur. Pour soutenir le jeu parfait, aller à l'un des championnats, mais c'est... Je comprends même pas comment est-ce que ça a pu arriver à cette traduction, en fait. Ça veut rien dire. Fabuleux. Dommage que ça n'avait pas été retraduit. Allez. Allez, un de moins. Range tes chaussettes. Ah, j'essaie de faire le beau gosse en faisant un super, mais... Je devrais pas. Je devrais pas parce que du coup ils vont être chiants à tuer. Alors que si je fais ça, je suis sûr de les tuer. Laisse-moi tranquille. Bon, alors on va en tuer deux. J'en écoute mais je suis tout blanc. Ah bah après c'est une bonne raison de bronzer. C'est pas parce que c'est une bonne raison de bronzer que ça marche. Mais disons que si t'as envie de bronzer, t'écoutes du rock, comme ça t'as une bonne raison de bronzer. Après, c'est pas dit que ça marche. Merde, j'ai encore raté. C'est pas grave. J'ai 53 champignons, hein. J'ai du camembert donc je m'en bats les couilles. Moi je suis français, ouais c'est moi un call. Putain, j'avais pas vu qu'on était à 49€ de dons, merci encore. Hein. Merci encore pour tous les dons ce soir, des gros bisous. Merci aussi pour les subs. Hein. On approche à grands pas des 400, on est vraiment pas loin. Ça, quel plaisir. Tu m'étonnes que Goumeli a mal à la tête, regarde sur quoi elle rebondit aussi. Mais non, ils sont lisses. Ils sont lisses, donc tout va bien. J'ai des champignons, donc je m'en bats les roustons. Merci Bob. Putain, bah, depuis quand tu fais des blagues, Bob? Attention, hein. Feu l'artifice, allez, je tire. Attention, hein. Je vous rappelle que je tire avec mon arme. Attention, je suis armé. Attention. Allez, niquez-vous. Mes blagues sont bonnes à la différence du reste. Oh là, attention. Mario qui sort son flingue, bah c'est ça. Hein. Clairement. Oh là là, mais quel jeu incroyable, c'est vraiment... J'ai compris, dans la VO, si on peut l'appeler ainsi, les personnages disaient tout le temps « I came ». Du coup, c'était traduit par « Je suce » pour que ça reste drôle, car on... je pense pas que ça a été traduit volontairement en je suce, non. Surtout qu'ils disent pas je suce, ils disent juste suce. Non, le je viens, on l'a vu plein de fois. Hein. Le I came est traduit en je viens, littéralement. Oula, hey, il va plus vite que moi. Non, le suce, je sais pas pourquoi, est-ce qu'on a des suces aléatoirement comme ça. J'en occupe, il est. Bon. Il va prendre 10 ans pour finir ce ROM hack. Bah non, je vais pas prendre 10 ans. Enfin, je vais prendre plus de temps que... Je vais pas prendre 10 ans parce que déjà, je le fais en VOD, je le fais pas en montage. Mais bien essayer d'être drôle. Mais c'est raté. Allez. Le sus, c'est pour sucks dans le sens de fait chier. Ah, j'avoue, il y a moyen. Ça va être plus long à finir que Paper Mario Sus. Ah, potentiellement. Sauf que Paper Mario Sus, c'est un truc qu'on a dit, on fait
tous les deux semaines, donc... On sait pas, on verra, hein. Ça, je sais pas en combien de temps je vais le faire, mais franchement... je vais le saigner, hein. Après, ce qui est bien, c'est que comme on va lire tous les dialogues à l'infini, parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle dans cette version, on va perdre du temps, hein. On va perdre du temps, ça c'est clair. Mais... mais bon. Ajoute une nouvelle lune, une nouvelle forme de Bel-Air. On en apprend tous les jours, hein. C'est le prince de Bel-Air. Wow, hé hey. Ah, il y a des champignons par ici. Bah, génial. Du coup, ça sert à rien que je fasse une attaque comme ça. C'est bon. Ça m'a saoulé d'avance. Ça m'a saoulé d'avance. Salut, les gars. Je vous tire dessus. Avec mon arme. Allez, hop, 12 points. Oh, ça fait bizarre de regagner les points de l'étoile, hein. Moi qui étais habitué depuis un an à pu en gagner. Allez. Cette bataille est inévitable. Bon, j'espère que je vais pas me retaper l'autre. J'ai peur que si. Hein. Et non. Et non, mon pote. Ah, bonjour. Mec. Salut, tu es méfiant? Quel est votre site web? C'est twitch.tv/123lunatique. La difficulté et particularité. Je suis désolé, salope. Et si nous avoir un amour pour l'éternel, salut, c'est faux. Tu parles... En fait, Goumeli a essayé de le sucer aussi. Et du coup, elle a un problème avec Goumeli, c'est ça? C'est à Goumeli qu'elle parle. Je suis désolé, salope. Oh, désolé les enfants, hein. C'est pas moi, c'est le jeu. Oh là là. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre lui et Goumeli encore une fois, mais... Elle m'apporte que des soucis, cette meuf, hein. Terrible. Alors... Or lourd. Lourd, nounours. Lourd. Allez. 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 C'est dur de te regarder. Je ne reviendrai jamais. Mais putain, mais c'est vraiment un ex de Goumeli, hein. Tous les levalloisiens. Putain, c'est Patrick Balkany, regardez. Il est en or, et il appelle les levalloisiens. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. C'est le jeu. Tout, 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 tout. Blabla. Alors, brouillé ou or lourd? On va d'abord faire or lourd. Lourd! Merde! Oh non! Le bouton a pas marché! Le bouton a pas marché, j'ai le seum. Je rappelle, hein, je suis sur une manette Xbox connectée en... Merde! Connectée en Wi-Fi de merde, là, donc en Bluetooth. Et des fois, elle fait de la merde. Bah du coup... Oh, on sent... J'ai vu qu'il y a mon verre, donc je m'en bats les couilles, hein. J'attaque hors lourd, moi. Bah du coup, reblable, là. Pour l'or lourd. Voilà. L'or n'est pas clair. Hé, hey, très rare. Excusez-moi, waouh. Les PV max sont de 10, l'attaque de 1, la défense est 0. Oh, même si c'est flou, il ne peut pas comprendre votre HP. Qui est génial. Ah, il peut pas comprendre mon ordinateur, c'est le meilleur ordinateur HP. Je dois demander, comment se cache-t-il? Jeter un œil incroyable. Bah comment se cache-t-il, tu vois bien? Il appelle ses potes. Il appelle les Levalloisiens. Les Levalloisiens. Merde. Salaud. Mais je crevais, moi. Danger. Ah mais il est mort. Il est déjà mort. Il ne le sait pas encore, mais... Allez, salut. C'est fini. C'est génial, le rythme cardiaque. C'est ça. Et encore un niveau. Quel plaisir. On va pouvoir se donner les points badge. Quoique, en vrai... étant donné que des fois, la manette fait les siennes, pour ce qui est des blocages et des supers, peut-être me donner de la vie. Surtout que je n'ai pas de courage. C'est si... Ça augmente mon CV aussi. C'est bien pour mon CV.
C'est, j'aurai peut-être un travail. Allez. Je fais ma mise à jour. Mise à jour HP. C'est vengé. Mais, Orc, tu es à moi! Mais il a vraiment... Il veut vraiment, enfin... C'est vraiment un ex dangereux à Goumeli, lui, hein. Il était venu pour essayer de la récupérer, et en même temps, il est en mode « tu m'auras pas, salope !» Vraiment chelou, hein, ce jeu. Vraiment chelou, ce rom hack, hein. Oh là là, c'est vraiment génial. Allez, on y va. Oh, je sais pas que ça foutre. Tiens, c'est quoi, ça? Oh! Un feu d'artifice! Je tire avec toutes mes armes. N'oubliez pas. N'oubliez pas, Mario est un dangereux personnage qui tire avec des armes à feu sur ses ennemis. Pour le CV, à augmenter ses HP. Bah, marquez-le dans votre CV, vous aussi, que vous avez augmenté vos HP. Bon, après, ils diront que vous êtes pas courageux, mais c'est pas grave. Vous avez pas forcément besoin d'être courageux dans tous les métiers. Regardez les policiers, par exemple. Ils ont fait grève 2 heures, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et ils ont arrêté la grève en laissant les autres dans la merde. Voilà. Bien sûr, c'est un peu de l'humour. Un peu. Pas totalement, quand même. Bientôt Carbone. Ah oui, c'est vrai qu'on va bientôt avoir notre ami Carbone, qui, je rappelle, n'est pas du tout coupec. Nous sommes dans une autre histoire. Maria, notre héros. Est-ce que le vieux, il a quelque chose à dire? Parce qu'en vrai, c'est intéressant. Maintenant qu'on a eu les pierres, il va peut-être nous dire quelque chose de nouveau. Ça m'intéresse. Sachant qu'il m'a traité de salope, hein, tout à l'heure. Le connard, je sais plus. Eh bien joué, Murphy! J'ai trouvé les clés de pierre, toi! Alors, c'est pas toi qui les as trouvées, c'est moi. Essaye pas de réviver tout le mérite, s'il te plaît. Excellent travail! Ensuite, vous devrez trouver la pipe secrète. La pipe secrète. Est-ce que c'est encore une allusion chelou? Qui met le château de Hooktail? Alors, secoue une jambe, Murphy. Allez montrer que Hooktail, chose qui est le patron. Je vais secouer une jambe. Hein. Ça doit être un ordre, une pratique du coin pour se souhaiter bonne chance. On va visiter les maisons. Hein. Au cas où il y a des trucs intéressants ou rigolos. Hein. Bon, voilà, là, en l'occurrence, il n'y a ni intéressant ni rigolo. Il n'y a rien. Mais, bon, bah voilà. Tu veux Galpi en anglais, oui, je sais. Mais du coup, c'est drôle. C'est drôle qu'ils aient pas traduit. Alors. Je vis dans une peur constante de Hooktail descendant à attaquer ce village. Voilà pourquoi je dis toujours mes enfants à ne pas trop errer loin de la maison. Oh, c'était étonnamment beaucoup trop simple. Est-ce que t'es... Alors, je rappelle que ça, c'est la porte de son bureau, aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Tu as vaincu le légendaire monstre de pierre de Schmonk. Waouh, bravo! Mais attendez maintenant. Cela signifie que je n'ai plus de travail, non? Eh ben, que pensez-vous que je devrais faire maintenant, hein? Quel cornichon! Écoute, c'est pas mon problème, hein, je t'ai mis au chômage. Voilà. Je t'ai mis au chômage, c'est pas ma faute. Oh! Qu'est-ce qu'elles vont dire comme conneries, elles? Si elles me disent su, j'arrête tout. Si c'est encore des grosses nymphomanes, j'arrête ce jeu. C'est nous, les vagabonds heureux, les Traveling Sister 3! Avez-vous déjà vu Hooktail? Je me demande s'il y a quelque part où vous vous inscrivez pour le voir. Non, c'est pas une file de youtubeurs, hein, pour aller la voir. Tu y vas quand tu veux. Et les filles, je veux pas sembler idiot ou quoi que ce soit, mais... Qu'est-ce qu'un Hooktail, hein? Oh, elles sont étonnamment... Pas trop cheloues non plus. Quelle? Pas question! Vraiment? Tu as vaincu le monstre dans cette forteresse? Oh là là! Vous devez être plus dur que vous regardez, monsieur! Je t'ai sous-estimé! Je suis pas si dur que ça, mais visiblement Goumeli m'aime bien, donc je dois être quand même assez dur. Boy, le maire a été... Ah non, je l'ai déjà lu. On a déjà lu. Annulé. Lui, on l'a pas lu. Si seulement ce Hooktail était disparu, je suis sûr que tout le monde et les cœurs brilleraient à nouveau. Je suis juste une âme simple, mais je reste sûr que c'est la clé pour restaurer le bonheur. Bah putain, mais les villageois sont étonnamment pas trop chelous. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va dire sur lui? C'est quoi ce mec, hein? Ça me dégoûte d'être prêt de se cingler. Très bien, quoi que ce soit, son nom est Dupré. Il est ce gars dégueu qui essaye pour parler doucement à tout le monde. Là, pas plus. Putain, c'est ultra violent, Goumeli. Ultra violente. Ce gamin est vraiment un fanatique, il ne parle que de vidéo-jeux. Vous remarquez cela? Ok, boomer. Je me demande s'il a fini son devoir pour aujourd'hui. Vous savez, les devoirs sont importants. Ah non, mais carrément... Ok, boomer.
c'est un crapaud de Petalburg. Il semble totalement obsédé par Oogtail. Ah, calmez-vous. Là encore, il a l'air un peu comme si tout lui fait peur. Pauvre petit gars. Alors, crapaud, c'est normal. Todd, ça veut dire crapaud, littéralement, en français, donc... Donc là, je pense que tous les Todd vont s'appeler crapaud. Attendez, les oreilles doivent être cassées. Avez-vous dit que vous planifiez sur la lutte contre Oogtail? Cela ressemble à une mauvaise blague. Et voici la punchline. Vous écrasez la finesse du papier. Grosse punchline, hein. Lourde punchline, frère. Hein. Va au rap contre Thunders, hein. Et va tous les fricasser. Ah, bonjour. Allez, là, bienvenue dans la boutique Nift. Que puis-je faire, maintenant? Putain. Ah, le vendeur blasé. Allez, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merde. Je veux vendre ici. Je vous propose ici. Regardez les choses. Maintenant, c'est bon pour vous. 6 points boutique. Et là, génial. Block of War. Putain, c'est vraiment exceptionnel. On vit un grand moment. On vit vraiment un grand moment. Ah, qu'est-ce que j'aime cette traduction. C'est vraiment génial. Ah, salut Mario. Salut mon... Alors, qu'est-ce qu'il y a à... La plupart des fleurs gardent leurs longues encore. Mais ne faites pas erreur, ils nous comprennent. C'est pourquoi je vous demande, parler toujours avec bonté à notre ami fleuri. Deal ? Je vais pas parler aux fleurs, je suis pas chelou comme toi, mais... Fais ce que tu veux de ta vie. Juste voir ce qu'il va me dire. Un homme bon est un hôtel. Ah ouais, je n'étais pas au courant. Je suis pas un hôtel alors, désolé. Les chambres ont 5 pièces par nuit. Tu veux venir ce soir? Putain, on va dormir dans 5 pièces par nuit. C'est-à-dire on va être réveillé 5 fois pour aller dans une pièce différente, c'est chiant. Ah, pas du tout. Reviens. Non, c'est mort. C'est mort, je reviens pas. Et puis tu vas pas me faire croire qu'il y a 5 pièces dans cette maison de merde. Qu'est-ce que... Ils sont chelous ces gens. Je suis désolé. C'est... Mario, non? Regardez-moi. Regardez, j'attends. Parle-moi. Je veux demander quelque chose, tu peux rien dire, mais j'ai un mauvais mot. Bah, calme-toi. Voir. Je vais demander... serait... Oh, regardez le jardin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calme-toi. Quel jardin? Il n'y a pas de jardin, frère. Oh, c'est dommage. Voir papa. Il a combattu longtemps en bataille avec un long crochet. Mais il n'est pas revenu. Bien sûr, je parle. Elle vraiment aimait. Je ne suis pas au courant de mes parents. Alors non, c'est pas si bon. Je pense à la vengeance. Bien. Mais la vérité est que je suis... va mettre fin à mon père. Lui, tout. Attends, il veut tuer son père? Qu'est-ce qui t'arrive, Coupec? Je... Mec, c'est une salade! Regardez, tout le monde dit que je pleura, les personnes handicapées! Mais quand je gagne Okosaba, eh bien, le texte se barre de la boîte de dialogue. Je connais le risque d'être, mais tu veux y aller? S'il te plaît, Mario! Ouais, vas-y. Vraiment? N'est-ce pas une blague? Oui, merci, vous regretterez tout! Vous regretterez tout. Bah écoute, bah tant pis. Je regretterai tout, bah c'est pas grave. Déjà j'ai Goumili, alors bon. Oh là là. Carbone a rejoint le groupe. Je regrette déjà. Option d'achat, la première. Ah, j'ai acheté Goupac carrément. Ah c'est cool. Appuyez sur X pour tirer la côte. Oui, je tirais la croûte, c'est mardi. Utiliser l'inspiration pour frapper l'article. Mais je vais pas frapper Coupec. Oh là là, je tirais la croûte. Si vous continuez, X, vous avoir des pièces et des instructions à ta disposition. Oula, non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Goumili, j'ai pas les instructions avec lui. Si vous détenez un char, si vous détenez un char sur le sol, conduire X pour tirer l'attaque à la roquette. Mais quoi? Mais quoi? Oh! Vous pouvez également tirer Carbone ce chapeau en place.
déplacer Mario puis relâcher le chapeau. Mais je vais pas relâcher mon chapeau. Laissez la casquette de Mario tranquille. Koopek est une arme de destruction massive. Mais clairement. Rappelez-vous, le veau peut-il être gardé dans la même pièce? Qu'est-ce que l'homme bœuf? Finalement, qu'est-ce que l'homme bœuf? Est-ce que le veau peut être gardé dans la même pièce? Il y a un gros problème, il y a un gros problème avec les bovins dans cette traduction. Qu'est-ce que quoi encore, j'en ai marre. Au combat, Carbon peut combattre et vaincre ses adversaires dans son jeu principal. Il a un propre jeu à lui, mais je veux l'acheter. Sheltos. Il peut également bloquer les ennemis à travers le monde avec un attaque Power Shell. Tous les ennemis, putain, c'est... Changer le membre. Et oui, elle est dans le menu Fiesta. Oh, y'a c'est menti, méga Fiesta. Je savais même pas qu'il y avait un menu Fiesta, on m'a rien dit, moi. Y'a un menu pour faire la fête, mais faut me le dire. Oui, Mario, allons-y. Ouais. Carbon. Oh. Oh, Goli, salut, Koopi, tu sais tout ça? Oui, certains d'entre eux. Carbon, je pense que je t'ai entendu dire que vous vous battez contre Kasaba. Mais demandez-moi, non? Vous êtes le bon centre énergétique dans votre entreprise? Passons. Je sais, Koopi, mais je veux être dur. Pour toi. Prends du Viagra, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Koopek? Prends du putain de Viagra et me casse pas les couilles. Pourquoi est-ce que faut que tu viennes dans mon équipe pour être dur? T'as besoin de Mario pour bander ou quoi? C'est quoi ton délire? Putain. Oh putain. Mais comment est-ce qu'on a pu arriver là? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Bon, si je me souviens, à ce moment-là, il dit « Je veux devenir quelqu'un de fort pour toi, mais quand même. » Oh putain. Oh merci. Merci infiniment encore à la personne qui m'a traduit ça, putain. On peut arrêter là, hein. On n'aura pas une meilleure phrase, je pense, de tout le live. Alors je l'ai fait. Les vaches ne comprennent pas. Est-ce que tu te considères comme une vache, Koopline? Je dis à les têtes baissées, c'est sens stupide. Et si vous êtes timide, et comment pleurer un enfant? Je m'en fiche. Je suis tout à toi. Ne le laisse pas partir. Désolé, Koopi. Je me souviens. Ne t'en fais pas, je vais à Mario. C'est un homme. Effectivement. Oh là là. Mais il veut choper le cul de Mario, en fait, lui aussi. Mais tout le monde veut pêcher Mario, qu'est-ce que c'est ce bordel? D'accord, trouvez-le! Elle le prend finalement bien. Arrêtez-vous, tâchez! Désolé, coucou. Et je bois. Ça m'a flaquité, donc il se met à boire. Un gros alcoolique de merde. Putain, c'est quoi ce mec? On dirait vraiment un gros mec bourré, genre. Sa meuf, elle vient l'engueuler et dit « Mais tu sais, j'arrive plus à bander, mais je veux arriver pour toi, et je bois. » Qu'est-ce que c'est que ce mec? Koopa vous rend plus fort, putain. Eh bien, Mario, c'est ça, j'imagine. Ne revenez pas. Bienvenue au château de Hokosaba. Mais on n'y est pas encore, frère. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Oh. Et je bois pour oublier mes années d'infortune, mais oui. Non, mais il est complètement craqué. Il a pété une durite, hein, Koopek. Attendez, je vais aller prendre la badge. Ah non, c'est pas là. Oh, j'en ai marre. C'est trop bien. Ça pouvait pas être mieux que ça, en fait. Hey,
Oh, merci Cyril d'avoir, putain, merde, j'ai soif, d'avoir offert un abonnement à Carbone. Il y a quelqu'un qui s'appelle Carbone. Incroyable. Ça, quel plaisir. Mais pourquoi ils vont plus vite que moi, les Goombas? Au final, la porte millénaire, c'est le cul de Mario. Terrible. Marteau unique. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver le nom de ses ennemis. Vous allez le découvrir avec beaucoup de plaisir. Lancement de Shell. Prend le chapeau du sol à l'ennemi. Et la coquille. Faites voler la coquille contre tous ennemis sur Terre. Ah, ça a l'air vachement puissant quand même. Alors que c'est pas si fort que ça. Prends le chapeau du sol. Bah, je vais prendre ton chapeau. Écoute, voilà. Fucking Goombas! Fucking Goombas! Incroyable. Fucking Goombas! Aïe 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 aïe. Carbone a soif. C'est vrai. C'est vrai, putain. J'ai soif! Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Carbone sur le live au moins, ou t'as vraiment offert à un mec qui s'appelle Carbone au hasard? Joyeuse joie, mais pendant la guerre, HP a été lentement retiré. Ah, c'est vrai que pendant la guerre, il y a des gens qui ont perdu la vie, oui. Ah, ça, c'est, ça a jamais été aussi vrai. Mais vous trouvez ça joyeux, vous? Vous trouvez ça joyeux, vous, le jeu? Pendant la guerre, il y a des gens qui sont morts et c'est joyeux. Bah écoute, si vous préférez le prendre comme ça, tant mieux, hein. Mais je dirais pas que c'était joyeux. Et j'ai jamais été là, là, si. Ah, mais si, c'est celui-là, je suis complètement con. Son rythme cardiaque diminue pendant la guerre. Mais c'est ça, hein. Putain, what the fuck. Je suis fatigué. Mais pourquoi ils vont plus vite que moi? Tu peux choisir le pseudo à qui tu veux donner en tant que compte existe, le bon. Ah, d'accord. Tant que le compte existe, c'est bon, bah écoute, tant mieux. Mais du coup, t'as même pas offert un abonnement à quelqu'un sur ce. Je m'en bats les couilles de ton bouton. J'en veux pas. De son bon mouton. Je rappelle que c'est un bon mouton. Mais j'en veux pas. Il a beau être bon, j'en veux pas. La torture est joyeuse. Ouais, ça. De toute façon, apparemment, ce jeu est très basé sur la guerre. C'est la guerre, hein. C'est la guerre. On est dans un Paper Mario post-apocalyptique. Allez, le soleil. Lumière du jour. Je vous rappelle, bien évidemment, que le rock est une bonne raison de bronzer. La journée de la pierre était bonne. Eh ben, on est super content pour elle. Super nouvelle. Et une nouvelle forme de belle, hein. La lune est présente. Elle est là. Frère, on est là. C'est incroyable. Ils ont même pas les mêmes traductions, quoi. Putain. Allez. Au calme, la lune. Et du coup, Viviane va vouloir être plus dure ou sucer comme Goumeli? Oh, j'en sais rien, on va voir, on aura la surprise. Mais on l'aura dans longtemps, pour le coup, celle-là. Ah, je vous rappelle, je ferai tout le jeu. Je ferai tout le jeu, je ferai tout. Je pense même que je ferai les 4 secondaires, j'en ai rien à foutre. Je ferai ce jeu à 100%. Bon, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, vraiment, ce jeu... Je pense que ça va être le meilleur let's play de ma vie. Le meilleur let's play de ma vie, il y aura peut-être pas de montage, mais ce sera le meilleur. Après, il y a peut-être moyen qu'on fasse une version montée où il y a juste les meilleurs moments. Les meilleurs moments, les meilleures traductions, je sais pas, on verra. Mais ce sera pas moi qui le fera parce que j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai vraiment plus le temps de faire ce genre de truc, mais... Si quelqu'un est vraiment chaud pour faire des montages comme ça, pourquoi pas. Parce que je pense que Valouche, là, pour le coup, est trop occupé. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé de faire des montages éventuellement, peut-être que je pourrais lui proposer ça. Mais j'ai pas envie de demander gratuitement, donc... Donc faudra que je vois si je peux rémunérer un peu. Pour ça, faites des longs, quoi. Franchement, ce serait trop bien. Allô? Oh non, me dis pas que le jeu a bugué. Oh, me dis pas que le jeu a bugué. Oh non. Bah heureusement que je viens de sauvegarder, non? Enfin, je crois. Je crois que je viens de sauvegarder, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce que la personne qui a fait ça est avec moi? Ça me continue quand même de faire rien. Allez, let's go. Je vais sauvegarder au cas où. Mais je sais pas du tout si je peux faire les save states, en vrai. J'ai jamais utilisé ce logiciel avant, en fait. C'est la première fois que je l'ai littéralement installé aujourd'hui. Donc, je sais pas. Pour sauver, c'est Alt F4. Ok, très bien. J'hésiterai pas à ne pas essayer. Ok. Merci pour l'info sur Discord. Oh, j'ai réussi à le dévancer. Incroyable. C'est quoi le logiciel? C'est Dolphin.
Allez, on reprend le badge. On reprend le badge de Joyeuse Joie. Où les gens sont morts pendant la guerre. J'en peux plus. C'est vraiment des débiles. Joyeuse Joie. Ah, mais je peux pas. Ah, laisse-moi tranquille. Alors, bien sûr, la journée de la pierre était bonne, ça on s'en souvient. Et surtout, la lune, vous inquiétez pas, elle est là. On est là. Putain. Pour en jouer à Pokémon Colosseum dessus, il y a bien les save stats. Oui, on m'a dit sur Discord comment faire. On est là toujours. Le texte de la pierre. Ah ouais, merde. C'est vrai qu'il y a un texte dessus. Oh bah nique. Nique la pierre. Désolé. Désolé pas les os. Bon alors, est-ce qu'on va crash? Y a pas un truc de sauvegarde juste là, à côté là? Ah, ça c'est pratique. Allez, on va protéger notre jeu. Et on est sauvé pour toute la vie. C'est bon, si on est sauvé pour toute la vie, tout va bien se passer. Je te conseille d'optimiser dans les paramètres graphiques les options hack au niveau des textures. Ça peut éviter les crashs chez Papa Mario. Ah bon? Bah je sais pas ce que c'est, mais si jamais ça recrash, je le fais, d'accord? Je sais pas comment on fait. Allez, est-ce que ça va crasher? Ouais. Ouais, ça recrache, putain, merde. Bon alors, tout de suite une pause, ou alors la fin de la VOD pour YouTube. À tout de suite, YouTube. Ou à jamais. Si jamais ça s'arrête maintenant, c'est que c'est fini.